changer par le livre, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, verset 12. Il n'apportait que des ennuis. Il vivait dans un orphelinat, mais il n'aimait pas ça. Il était désobéissant et malheureux. Alors, il s'est enfui. En s'enfuyant, il a emporté la Bible donnée par la dame qui s'occupait de lui à l'orphelinat. Plusieurs années plus tard, le jeune homme est revenu au foyer qu'il avait abandonné. Il a raconté qu'une fois parti de l'orphelinat, il s'était mis à lire la Bible. « Je veux maintenant accepter Christ », a-t-il dit à son auditoire étonné. La Bible est un livre si merveilleux. Elle fut lue par un jeune homme abattu et troublé et fut utilisée par l'Esprit de Dieu pour lui montrer son besoin du salut. Nous vivons dans un monde qui a besoin de ce que la Bible offre. Les gens ont besoin de lire ces paroles de réconfort, d'espoir, de rédemption et de joie. Ils ont besoin d'y découvrir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ceux qui lisent la Bible ne se tournent pas tous vers Christ. Jésus l'a bien fait comprendre avec la parabole du semeur. Nous devons être des semeurs de la parole de Dieu, mais nous ne décidons pas qui va la recevoir. Notre travail est de la semer partout. Peut-être recherchez-vous un bon outil pour témoigner, mais vous n'avez jamais pensé que la parole de Dieu pouvait être la solution. Pourquoi ne pas donner une Bible à ceux que vous voulez atteindre? Puis, regardez ce qui se passe. Ils peuvent être changés par le livre.